bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une vidéo rapide sur IPC, Intelligence Prime Capital, juste pour te montrer les résultats du mois de janvier de mon bot et te parler de retrait. Donc le mois de janvier est terminé et donc j'ai une performance sur le mois de janvier de 34,82%. Dans ma dernière vidéo, j'avais estimé entre 30 et 35. Bon, on n'est pas loin des 35%, donc brut, hein, bien sûr. Ça, il faut retirer les 20% que IPC prend pour se rémunérer. Donc environ 7%. Donc ça fait du 28% net, ce qui est quand même très bien. Donc, donc je suis monté, moi, jusqu'à 205$. Sur mon compte MT4. Donc moi dans mon objectif, hein, je rappelle que j'avais 114$ au départ que j'avais placé, donc plus les 50$ de licence que j'avais eu en promo au mois de décembre, donc 165$. L'objectif c'est de récupérer ces 165$. Donc au départ je m'étais mis comme cible d'atteindre 280$ avant de faire du retrait, de faire de l'intérêt composé, donc tous les samedis quand ils me reversent les gains, de les repositionner dans le robot de manière à ce que ça grossisse plus vite. Donc 280, c'était pour pouvoir retirer mes 165 de départ et qu'il reste les 115 que j'ai mis au début, de manière à pouvoir repartir avec les 115$ initiaux, mais à partir des gains. Bon, vu ce qui se passe en ce moment un peu partout sur les différents placements, je me suis dit que j'allais pas attendre jusqu'à 280. Donc là, je suis arrivé à 205$, je me suis dit que j'allais en prendre une partie pour voir si ça se passait bien. Donc là, samedi dernier, j'ai fait un retrait. Donc en fait, j'avais 12,88$ ici dans mes gains hebdo. Et puis j'avais 205 à peu près, 204,95, quelque chose comme ça, bon, dollars dans le MT4. Donc j'ai commencé par faire un retrait, donc les retraits du MT4 vers le wallet. Chose que j'ai découvert, c'est qu'il faut que ce soit des multiples de 50. Parce qu'au départ je voulais retirer 90$ de manière à retomber à mes 115 de départ, mais je n'ai pas pu, donc j'ai dû retirer 100. Donc j'ai repris 100$ du MT4 pour ramener vers le portefeuille. Donc pour ça, facile, on fait un transfert interne, je te remontre. Ah. Un transfert interne ici, un WISO transfert de MT4 vers wallet. Et puis ici, bon bah ça te donne le montant retirable du MT4, hein, puisque je te rappelle que quand tu places une somme dans le robot, il y a 20% qui est bloqué pendant un certain temps. Donc tu peux pas y toucher. Donc là, bah, j'avais 176$ qui était débloquable sur les 205. Donc j'ai pris 100$. Je me suis donc j'ai envoyé un code qui m'arrive par mail. Alors samedi ils ont eu un souci, hein, un souci technique visiblement sur l'envoi des codes. Peut-être qu'il y avait beaucoup trop de monde le matin en même temps. Donc j'ai laissé passer. J'ai essayé plusieurs fois dans la journée. Effectivement le code il arrivait mais beaucoup trop tard. Après les 300 secondes du décompte d'ici, hein, mais quand je dis après, c'est bien après, hein, ça pouvait arriver une heure ou plus après. Donc j'ai attendu la fin de journée, et puis vers 19h, 20h par là, là j'ai reçu le code aussitôt, donc j'ai pu faire le transfert des 100$ vers mon wallet, et puis après j'ai fait une transaction withdrawal, où ici bah, j'avais 112,88$. Que j'ai retiré en intégralité, donc ça m'a coûté 3$ de frais, donc a été transféré 109,88$ que j'ai transféré donc en USDT par le réseau TRC20, par le réseau Tron vers Binance. Donc, j'avais rentré mon adresse Binance et c'est arrivé le lendemain, puisque là c'est le 29 janvier que j'ai lancé le retrait vers 19h par là, et c'est arrivé le 30 janvier à 11h18, donc il y a peut-être une heure de décalage, c'est peut-être midi 18, je sais pas, moi j'ai vérifié l'après-midi, mais j'ai bien reçu mes 109,88$, donc il n'y a pas de souci pour l'instant, IPC paye. En espérant que ça dure. Donc du coup, je suis reparti avec 105
dollars dans le robot. Et puis il y a eu lundi et mardi, donc du coup j'ai récupéré un peu de quelques dollars de gains, puisque voilà, j'ai fait 3,03$ depuis hier, donc lundi 31, et puis là aujourd'hui il a fait 1,50$, ça y est, les 3 trades sont passés, donc là il a fait 1,50$, 1,41%. Donc là on repart avec, je vais dire sur le mois de février, avec du 1,4 de moyenne. Bon, c'est un mois qui est un peu plus court que les autres, donc je pense qu'on va plutôt plafonner à 30%. Sur ce mois-là, sauf si ça se met à décoller. Mais donc voilà, la performance, on va dire hier, même si avec ce robot-là, bon, il promet jusqu'à 45%, bon, on sait que c'est un maximum, mais bon, on voit que moi, depuis le 23 décembre, ça monte bien, hein, je suis à 50% de gains en un mois et une semaine. Donc même si c'est du 30% ou 35%, mais que c'est régulier, j'ai pas de problème avec ça. Et aujourd'hui, ça paye. Donc là, j'ai récupéré 100 dollars sur mes 109, oui, 110, on va dire, sur mes 165. Il me reste 55 dollars à récupérer. Donc je vais voir dans les semaines à venir, là, d'ici quelques semaines, ça devrait pouvoir se faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce ou un commentaire ou poser questions. Il n'y a pas de souci, hein, j'y répondrai. Mets un like et puis bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.